Donc les résultats au 30 juin sont très positifs et ils sont conformes à notre trajectoire budgétaire. Nous avons effectivement un résultat net qui s'apprécie notablement. Et l'ensemble des composantes de nos résultats sont favorables, que ce soit l'évolution du PNB, la maîtrise des frais G dans un contexte d'investissement et de croissance, et puis une tendance très positive du CNR qui confirme sa maîtrise trimestre après trimestre. Donc nous sommes très confiants de la réalisation budgétaire sur cette année et de la perspective de croissance que nous avions déjà annoncée et que nous espérons pouvoir délivrer dans la durée, ce que les premiers chiffres confirment déjà. Cela traduit une très bonne performance commerciale, une bonne dynamisme de nos équipes, et je laisse la parole à François pour en parler plus en détail. Tout cela dans le cadre d'une transformation qui s'opère, un plan stratégique qui est conduit et qui est mis en œuvre selon la trajectoire et le planning qu'on avait initialement prévu. Tout à fait, donc ça, c'est un très bon départ, à la fois la transformation qui s'accélère, la proposition de valeur qui se met en place, les projets qui sont en train d'être livrés et les performances financières qu'on souhaite maintenir telles que la dynamique au premier semestre 2019 l'a confirmé. Donc ce qu'on a très bien réussi sur le premier semestre, au-delà des performances financières, c'est à combiner l'enclenchement de notre transformation et de tout l'investissement, tous les changements que ça implique, à la fois en termes d'informatique, de ressources humaines, d'immobilier. C'est vraiment les trois piliers autour desquels s'articule cette transformation. Et on voit que tous ces changements qu'on enclenche, qu'on demande à nos collaborateurs aussi de matérialiser sur le terrain et auprès des clients, commence à s'engager sans pour autant nuire à la dynamique commerciale qu'on a et à la qualité des relations qu'on a avec nos clients, bien au contraire. Et donc on arrive à commencer à délivrer une performance, j'ai envie de dire très tôt, dans le cadre de l'exécution du plan stratégique, sans être retardé sur nos investissements. Et je pense que l'inauguration de notre nouvelle agence du siège en est le témoignage. On a réussi à la fois concevoir et mettre sur pied le concept et à le délivrer dans des délais très courts. Et en fait, c'est le reflet de l'ensemble de la façon dont on veut désormais travailler avec nos clients, de passer d'une logique réactive où on est au guichet et on répond aux demandes de nos clients à une approche plus proactive où c'est à nous d'aller vers eux, de leur offrir tous les outils dont ils peuvent avoir besoin en termes digitaux pour pouvoir faire la banque comme ils veulent, où ils veulent, sur leur mobile ou au téléphone. Et puis avoir un accueil quand même plus confortable dans les agences pour que ce soit un plaisir d'y venir et pour être sûr qu'ils y trouvent toute l'expertise dont ils ont besoin et qui ne va pas se traduire par des outils. C'est vraiment notre conviction, c'est que la banque, c'est pas la banque du futur, c'est pas une banque de robots, c'est une banque avec des outils très performants qui permettent de faire tout de façon très confortable et très rapide, mais avec l'apport de l'intelligence humaine et de la compréhension et de l'expertise que nos banquiers peuvent apporter. L'évolution et le niveau d'exigence qu'on a auprès de nos collaborateurs est effectivement forte et c'est eux qui portent une partie du poids de cette transformation. Mais un des objectifs et une des clés en fait de notre réussite pour servir nos clients, c'est que l'ensemble des collaborateurs de la banque et pas que ceux qui sont en face du client aient à la fois conscience et à la fois à cœur de servir le client et donc qu'ils soient dans une logique de bien comprendre le sens de la tâche ou de l'opération dont ils sont responsables et de faire en sorte que ce soit le plus rapide et le mieux exécuté pour le client. Les banques sont des animaux complexes avec beaucoup d'acteurs autour d'une même opération, sauf que le client, en fait, c'est pas son métier, et donc il n'a pas envie d'être confronté à cette complexité. Donc c'est à nous de nous organiser et de mobiliser nos collaborateurs pour que le service qu'on délivre au client ne soit pas impacté par la complexité à laquelle on est confronté. C'est notre affaire, pas l'affaire de nos clients.
Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.